Bonjour à tous et à toutes, c'est Yvette. Comment ça va? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un petit top 12 des emblèmes les plus stylés que j'ai pu trouver sur internet, sur Black Ops 3. Voilà, donc on va se retrouver directement en 12e position. Alors en 12e position, alors on a ce petit diamant qui est très sympathique, c'est pour ça que j'ai mis en 2e position. Parce qu'il est bien fait, mais c'est assez simpliste. Vous voyez qu'il dégouline bien. Donc pour ceux qui se demandent tout ça, je l'ai trouvé sur Black Ops 3. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 2e position. Je trouvais que il est bien fait, mais pas assez pour arriver en dessous de ce top. Donc alors, tout de suite, on se retrouve avec quelque chose, franchement... Si j'ai mis cet emblème, alors donc vous pouvez voir si vous jouez un peu à Destiny que le signe est pas très bien fait, il est un peu arrondi. Bon, c'est un signe obèse, mais c'est pas grave. Donc, si j'ai choisi ce clip, c'est parce que j'ai vu kicker Destiny et là il est vraiment très bien fait avec le voyageur. Destiny, les couleurs, ça représente bien le jeu. Donc, alors tout de suite en 10e position, vu que là c'était la 11e. Alors, en 10e position, on a directement Carnage. Et là, si j'ai mis cet emblème, c'est déjà dans toute mon enfance, j'étais fan de Spider-Man, mais plus particulièrement de Carnage. Parce que ma couleur préférée était le rouge, j'adorais Venom, mais Carnage, il est sanglant et tout ça. Et quand j'étais petit, je l'adorais. Et j'ai toujours rêvé que dans un film Spider-Man, ils le mettent, mais ils sont pas encore décidés à mettre le petit Carnage, alors que beaucoup de gens l'aiment bien, ce méchant. Alors on va se retrouver tout de suite à la 9e position avec le prochain emblème. Je vous le mets tout de suite. Hop là, voilà. Donc alors ça, c'est vraiment pour tous ceux qui connaissent Dragon. Personnellement, j'ai vu aucun des films, mais je sais à quoi ressemble le dragon de l'héros. Et c'est lui, je crois que c'est une fille. C'est une fille, ce dragon. Et donc, alors si je l'ai choisi, c'est d'abord pour les couleurs. Regardez les couleurs, comment elles sont magnifiques. Regardez comment tout est bien fait. Alors, si on peut faire ça maintenant, c'est parce qu'on peut mettre 64 couches. Et donc, vous voyez, il y a tellement de nuances. Regardez dans les yeux, le vert autour, c'est magnifique. Et franchement, c'est pour ça que je l'ai choisi, cet emblème. Même si je connais pas très bien cette série, je l'ai quand même mis. C'est normal pour moi. Donc on va se retrouver tout de suite à la 8e position, je crois. Ah non, attendez. Oui, donc l'emblème c'est The Grudge, mais c'est ce que là. 12e, 11e, 10e, 9e, 8e. C'est à la 7e position, on a The Grudge. Donc pour ceux qui connaissent pas ce film, alors en fait c'est un film d'horreur avec cette femme et elle fait... attendez. Voilà, et donc il y a même eu un jeu sur Wii où il fallait bouger la télécommande, j'ai vu des vidéos là-dessus, ça me faisait délirer. Et donc si j'ai mis The Grudge dans cette position, c'est que regardez, encore une fois, c'est tous les détails, l'œil, les petits trucs rouges dans l'œil, là franchement c'est très bien fait. Donc on se retrouve tout de suite en 6e position avec cet emblème, regardez-le bien, hop là. Donc c'est Godzilla, franchement Godzilla, très très bien fait. Avec les effets de lumière bleue. Si vous avez vu le film, vous savez qu'à la fin, il crache une bonne grosse flamme bleue. Très puissante avec le rouge. Franchement, très très bien fait cet emblème. Donc alors pour le prochain emblème, c'est tout simplement, je vous avais parlé de Carnage. Maintenant, il est temps de parler de Venom. Donc alors cet emblème a été aussi... C'est un emblème qui est sur Black Ops 2. Mais je crois que comme c'est sur Black Ops 3, il y a plus de détails au niveau de la langue et au niveau de la bouche pour faire plus de fil. Voilà.
Donc, à un moment, j'ai voulu faire cet emblème sur Black Ops 2 et je me rappelle que j'ai pas réussi. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait sur Black Ops 2, tout simplement. Donc, à la quatrième position, on a tout simplement Cartman. Donc, alors, si vous n'avez pas vu cet épisode, en fait, c'est tout simplement, il y a un tournoi athlétique pour les enfants qui ont des problèmes, soit mental ou avec le corps. Et donc, Cartman a décidé de se faire passer pour un trisomique pour participer parce qu'il peut gagner 500$. Et en fait, il va se rendre compte qu'il va se faire laminer par tous les petits enfants mal formés. Et c'est vraiment un épisode que j'ai bien apprécié car il est très très amusant. Même s'il n'est pas très bien fait, quand j'ai vu ça, ça m'a direct rappelé cet épisode. Et comme cet épisode est magique, j'étais obligée de le placer dans ce top 12. Donc alors à la troisième position, oui déjà, un très joli Sangoku Super Saiyan. Donc alors je peux pas vous dire si c'est Super Saiyajin 1, Super Saiyan 1 ou Super Saiyan 2, ou comme dirait dans la série Super Saiyan. Ça c'est franchement, c'est dans la version originale, Bulma dit, tu fais le malin parce que tu dis que tu es un saiyan. Et après Vegeta il fait, nous les saiyans, nous avons une force incommensurable, quelque chose comme ça. Et donc du coup, maintenant je dis super saiyan, juste pour le délire. Alors en deuxième position, on a un emblème qui est magnifiquement bien fait. Ouais, il est bien fait. C'est tout simplement Tupac, avec les ombres, tout ça. C'est une image qui est sur Google, je crois. Une image comme ça avec Tupac. Et donc, cet emblème, si je l'ai mise, regardez bien les détails au niveau du nez, des yeux. Il ferme les yeux, la casquette, comme ça. Donc, pour ceux qui savent pas, Tupac, c'est la figure du rap américain. C'est le début du rap, en fait. Pas le rap game, hein, le rap. Je connais pas particulièrement cet artiste, mais je sais un peu son histoire. Et donc, en première position, on a ça. J'étais bluffée par cet emblème, par les détails. Regardez, il y a des nuances et tout ça, et c'est tellement bien fait, on dirait que c'est une photo. Au début, j'ai cru que c'était une capture d'écran, mais après, je l'ai vu, et dans la bouche, vous voyez l'ombre. Et ben, ça, c'est un petit truc d'emblème qu'on peut placer. Et vous avez vu, il est très bien fait, regardez l'ombre sur le cou, les yeux fermés, la coupe et tout, le costard, tout ça c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Si vous voulez plus de top 12 ou plus de top 10, c'est juste qu'en fait il y en avait deux en plus que j'ai réussi à glisser, c'est pour ça que j'ai fait un top 12. Donc si vous voulez plus de top, faites-le moi, partagez dans les commentaires, partagez cette vidéo, lâchez des likes, blablabla. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis voilà, c'était Glyde, à la prochaine, prenez soin de vous.